haiti.com qui compte entrer la caillou pour journée jeudi 8 décembre 2022. N'a dit bonjour à tout le monde, n'a dit bonsoir et pour tout cela autour, quel que soit acteur disponible pour assister vidéo ça. Et ben n'a dit nous content avec vous aujourd'hui là dans nouvelle vidéo ça, de nouvelles informations que nous porter pour vous. Et n'a profité dit merci à tout amis nous, tout compatriotes nous, tout le monde en général qui rete connecté sur canal ça. Tout cela qui impatient. Et bien chaque lè, y a tant d'informations dans menou, n'a dit ou merci pour patience ou et merci pour fidélité ou. De blozay pété dans la boule, chef gang Timakak, encore une fois, monsieur frappé, et là nous dit le frappé, monsieur frappé plus fort parce que et bien c'est pas trois tours ça lui même la coupe tête moun en roi. Après trois policiers étaient fin passé en bas coute manchette chef gang Timakak, je dis encore, gien trois l'autre policier après information t'a vinn dit que c'est des faux policiers. Et bien, qui même à Gozam, t'as pas fait job sale en Léa. Et bien, Timaka qui lui même mette main sous toi, nek sa yo, m'a pas besoin de dire qui quantité coup de hache. Nek sa yo, mange, coupe tête, saisi zam, son bagay grave, vidéo choquant. Nous pas qu'à partager la avec vous. Et bien, nous pas le faire plus de détails en dans vidéo ça. Comment Timaka qui lui même, m'se prend la boule pour lui, m'se prend tout en Léa avec Toto Bolette. C'est nek sa yo, kap pas coupé haché. C'est yo kap fait et défait. En tout cas, Haïti pays spécial. Stande Lucas, tout sous dossier assassinat Jovenel là, jodi an là, genye dossier que DCPJ remet by ministère justice et n'a dit au Martin Moïse qui même pas content avec nouveau juge ça qui sous dossier ça, et bien c'est un juge, c'est à Paul Denis, ancien ministre justice dans pays d'Haïti qui même t'a référé et juge ça et là nous connaît Paul Denis non cité assassinat Jovenel Moïse. Paul Denis non cité dans divers dossiers louches dans pays ça, on pas besoin dire Martin Moïse pété coquin, il dit pas besoin juge ça. En tout cas, nous va inviter au plus détails avec Stanley Lucas en dans vidéo ça. Restez connecté, bonne écoute tout le monde. N'a tourné. Il y a un petit problème, pas gagné, c'est des ordres n'a fait. Bon, on aller là. Martin a une information qui partageait que moi-même tout me partageait. Suivant vidéo, on me dit ça, on dit dans vidéo qui partageait gagné trois policiers qui victimes. C'est ça, info, premier élément d'information qui fait bail. Et d'ailleurs, il est impossible, même la police l'aime régler, il n'y a pas en mesure pour te dire si oui ou non. Parce que ça arrive déjà. Pas oublier, si tu as trois policiers qui assassinés à la boule pas longtemps, jusqu'à présent, pas qu'on ait qui ça te fait. L'enquête se poursuit. Comme toujours. C'est Haïti, chéri. Mais policiers, ça yo, c'est pas des policiers qui t'al mené opération pour la PNH. C'est des policiers qui t'al font job. Et Carlo, petit homme alias Timakak, monsieur exécuté yo. Ok? Eh bien, écoutez, matin, lorsque nous recevons la vidéo, nous regardons sur l'écran. Avec trois têtes. Ma galage trois têtes yon sur l'écran, kode m'bap la gel. Ne yon coupe trois têtes moun. Plus zam sa yo, trois zam de guerre. Plus documents sa, qui sont documents normal de la PNH. Papier n'ap gade yon. Qui sont notes, qui sont bon, on bon notes liye, li pa fek, li même. Que ne yon ap li, ap cite non. Ticket. Bah, yon ti kras mélange là. Il aime garder moi, j'en ai yo humilié. Trois moun sa yo, m'di ket, monsieur. N'ai yo encore humilié. Trois policiers. Et puis, ben si da tue son sousin, la brette là, papa. Tendez bien. Eh ben, écoutez la société. Neg ti maka ki yo hier, n'ai yo font ravage. Dans la boule. Alors que la police, parallèlement, t'a tenté maintenant opération en l'air. Et pour qui résultat? Ok. Negyo kidnappé plusieurs moun à la boule. De très tôt. Hier. Negyo a tenté kidnapper Salim Soukar. Monsieur résistait, n'a yon vide balle
sous machine monsieur. Monsieur courit de justesse, il chabé pour lui. La police tente riposter en l'air. Ça semblait ou te gétan joué une chance pour yon parti à un blindé. Non mais moun ke yon kidnappé yon. Et c'est à partir de ce moment, et c'est ça l'information, yon pral croiser avec trois nèg sa yon. Qui pas vrai trois policiers selon la PNH. Et m'bral ba nou ti explication en plus talent. Donc c'est pendant nèg yo, yo fin yo nan blende yo, yo ap rentré sous fè ça. Et puis là au croisé avec trois nèg sa qui c'est trois soldats toto selon premier élément information yo. Et nèg yo vide balle, yo prend nèg yo, yo ala avec yo. Yo tuer nèg yo. Et yon coupe tête yon. Bah yon bil. Bah yon triste. Bah yon triste. Kounya ki sa k passe? Et ça te fait. Lendon de Morsi. Merci à vous. Tenez bien. M'toujours dit policier ou pour yon comporte ou bien. Pour qui ça? Alors, un policier qui t'a parlé avec moi, et puis il dit, tete, nèg sa yo, yo pas semblé policier, ben, me dit, attention, comment on fait qu'on est? Parce que moi, me connais, un policier, me connais, ouais, me connais, on t'y casse douter, sous forme visage nèg yo, sous tête yo, j'en yo, yé, etc. Parce que bouwe nèg yo, tout envie courir. Alors, ce que c'est bon policier. L'homme voit image là, par un inspecteur police, que m'y a cri, je dis que, tete, j'aime pas qu'on t'en dise ça, non? Et ou bon information, cependant, si analyse pam, pour yon ba m'kadou, forme tête nèg sa yo, m'ba kwa se bon policier. Je dis ouais, ton inspecteur dit ça, je dis ouais, j'en m'ap gade forme tête nèg sa yo la. Si yo talan la police connaît, c'est le police. Mais yo m'ba kwa nèg sa yo, c'est semblé bon policier. Et deuxième ba, monsieur dim, zam sa yo, li pa fin sûr que c'est zam la police. Il dit la police pas forcément gen zam sa yo. Yo plus semblé c'est zam grand nèg, bay nèg pour faire job. Mon policier dit ça. Il dit OK, jusqu'à ce que n'a continue chercher information. Eh bien trois monsieur yo, c'est pas ta policier oyé. Cependant, note que nèg yo a plié son note que yo te yo joine qui c'est bon note la police. Ça semblait c'est bilé ont été fait porter bourré en dans commissariat Thomasin hein? Et ont été prend document ça parce que toute nos cité hein? c'est réalité lié et pas fake et gien des détails gien doit choisir pas rentrer là-dedans et pour des raisons bon pas va rentrer dans conflit. Mais on attendait que nèg yo cité dans balan yo cité non Edgar, Alius, Kanje, James etc. Tous les deux nèg ça c'est deux policiers. Et me songe qui est-ce qui était responsable en l'air le ça? Est-ce que pas inspecteur Robert Montina si me pas trompé qui était responsable en l'air à l'époque monsieur Saroté là. Était toujours gain un petit plaignant pour deux nèg ça ouvrir Edgar ak Kanje. Vous avez des détails, vous ne pouvez pas choisir entre les deux. Mettez-vous un petit plein. Parce que, nèg sa yo, ou elle cite Carlo, qui était toujours considéré comme bras droit Edgar, alors que monsieur fait prison deux fois déjà, dans sa fait faux chèque, etc. Ouais, bah, ça a fait gros scandale. Et c'est même bah, ça, et presque même dossier ça, qui te met tes amis en prison, comme mon cher Philippe Etienne. Philippe Etienne. Et puis là, monsieur là, ouais, on a besoin de faire l'autre policier, puis monsieur dit vérité à Jean-Lié. C'est nèg dans le pouvoir, ça, monsieur. Nèg cap de yo sérieux, va m'en mêler dans rien. Qui libère Philippe Etienne pour l'argent? Nèg yo pris ta mission dans faire bail combien mille dollars américains pour le sortir? C'est donc forme de kidnapping. Nèg l'en dans prison, kidnappé encore. Son pays difficile.
Ça veut dire que, et c'est des bails gros montants. Donc, et c'est même pas non nèg ça ont cité ou songez là la police te font partie son série de nèg sous la lia parmi yo Ivner Carilus. Ivner Carilus, ce puissant kidnappeur de renom. Et bon, heureusement pour le pays, monsieur t'est mortellement touché. Bon, il était à l'hôpital mais il passait de vie à trépas, c'est du français papa. Vous comprenez? Ça veut dire que en pile fois chef gang yo parle yo konza ap di oui. Parfois ou bay menti. Et parfois konza ap di oui. Hein? Yo konza ap di parfois parce que le malmené enquête sous nom monsieur cité yo. Moi que monsieur gagon bagay que le connaît. Hein? Bon bay que le connaît la cité Edgar. Alors là li ba yo. Mais c'est nèg yo connaît nèg en l'air parce que ti makak li kon tout bay en lè yo. A di, ti makak ak Toto, yon kon lot très bien. Se nan sa fè te, koun yon wè ti makak vin pren lè ya. Et moi, mande l'État haïtien, est-ce que la kite ti makak pren tout dimension sa dans la boule en lè Bétionville? Parce que l'va normal. L'va normal. Yon deux gangs ka frappé son vérité. Toto gen gang pal, Timaka gen gang pal. Nèg yo frappe en l'air. Mais faut gagner quand même au la qui dit, faut gagner des autorités policières qui paraît qui dit non c'est assez. C'est pas normal. Ça veut dire que non monsieur cité dans document la plia que m'a pas besoin faire entendre voix monsieur, c'est émission non. Mais monsieur non nèg ça yo rappelé m quelque bagaille. Parce que Edgar, Carlo, Kanj, yo rappelé m quelque bagay. En tout cas, bon m'a arrêté là. Parce que son pays est difficile. Son pays est difficile. Vous comprenez? Mais c'est 3 agents Toto de préférence que nèg yo exécuté et yo coupé tête qui ont allé à la boule. Quand j'ai. Nous dit ah monsieur Caronin ça l'a dit. Il y a un pile des autres qu'a fait et dans document gain un nom policier monsieur cité donc policier monsieur vivant monsieur T là donc c'est papier ça était dans commissariat nèg était envahi commissariat Thomasin. Comment imaginer bon monsieur il doit faire tout un travail psychologique. Son façon de montrer policier il gain contact etc. ceci cela. Monsieur dit que là ils ont fait réunion li te au courant. Bon, on imagine que te gen réunion te fait vrai. Ou ka seulement poser question, comment réunion te fait pour ta attaquer gang Timakak et puis te au courant. Ou ka questionner le mais pas impossible. Parce que ça arrivé dans base 400 marozo déjà. Des autorités qui déplacent vin planifier en filature dans DCPJ même. Depuis même avant de quitter DCPJ la mois sans jour, les nèg yo andan ou le dit monsieur nous sommes fait plan sous l'homme, on connaît. Venel Moïse, Stan Lulika, qui gagnait position li, mais sous assassinat Jovenel Moïse, lui toujours qui a même position, c'est justice pour Jovenel Moïse. Mais dans l'intervalle, moi dis nous tout, et gagnait avocat Martine Moïse, ou bien avocat parti civil, qui récusait. Et juge et cap traité et dossier ça. Stanley Lucas, bonsoir, son plaisir pour nous parler avec vous à ce soir, à l'occasion 17 mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Comment nous y est? Moi, salue Ismaël et moi, salue Juno, moi, salue Kéry, ensemble à tout auditeur. Vous avez la parole? Nous, là, Nabgoumen. Nous avons corona, nous frappons la terre, mais en même temps, tout, nous sommes obligés de faire attention parce que bon, sommes les oligarques qui ont un mais ça fusil. Donc, nous prenons précaution pour ça. Koto, il n'y a pas rien facile, mais au fusil. Anyway. Ok, d'accord. Avant même nous entrer dans ça, c'est l'oligar. Alors, ou toujours dites tout, ou faire un peu de formation pour des mondes politiques dans le pays, et certainement, quand tu fais partie de l'administration publique là, qui sont dit à tout là où est Premier ministre l'a mandé, tout ministre, tout directeur général, bien, grand commis l'État pour déplacer, il faut informer. Ça dit à tout. Au niveau
de la sécurité nationale et qu'on laisse grainer dans l'État depuis à peu près 30 ans. Mm-hmm. Lorsqu'on est fonctionnaire de l'État, il y a des autorisations pour mander. Par exemple, un directeur général de la police ou un commandant-chef de l'armée, il n'y a pas qu'à directeur général de la police, il n'y a pas qu'à voyager s'il n'y a pas qu'à deux autorités civiles, ministère de la Justice qui accompagnent, et s'il n'y a pas qu'à autorisation, ministre de la Justice et CSPN. Même Jean-Tou, commandant-chef de l'armée, n'y a pas qu'à voyager à rencontrer Blanc s'il n'y a pas accompagné de deux autorités civiles du ministère de la Défense et s'il n'y a pas qu'à autorisation. Là, dans Washington, côté Mia, si on emploie le gouvernement américain entre dans n'importe qui ambassade sans pas gagner autorisation ou bien sans pas emploi accompagné de deux monde que l'État américain désigné pour accompagner la réunion, non seulement il a révoqué, il va enquêter sous lui avec possibilité que son traite cap ba information à des gouvernements étrangers. Mm-hmm. Donc nous même dans pays à cause de monsieur Anacopoulosio depuis 13 ans qu'on laissé grainer en dans l'État. La politique de sécurité nationale de la République d'Haïti n'existe pas. Littéralement pas existé que n'importe qui blanc entre dans n'importe qui institution l'État sans autorisation autorité l'État. Pas aucun employé l'État, chef de service l'État, directeur, directeur général, ministre de l'État qui doit rencontrer un blanc sans pas une autorisation spéciale. C'est comme ça blanc fait la caille. Et bagaille là tellement grave. Dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse, là, son accord de sécurité que nous signons avec les États-Unis entre le secrétaire d'État Madeleine Albright et président Préval pour que la police collabore avec Dié pour faire un bon bagaille, pour casser un drogue dealer, bon secteur corrompu aux États-Unis qui utilise l'accord ça pour venir tuer le président nous le 7 juillet 2021. Et jusqu'à présent, les Américains ont beaucoup de explications. Comment fait que, à cause d'un accord de sécurité, ils ont infiltré la police, nous, ils ont paralysé la police, nous, le 7 juillet, qui permettent 18 Colombiens à tuer le président Nakaï, nous, Colombiens, passer par Saint-Domingue. Mm-hmm. Donc, culture de sécurité nationale, ça, qui doit exister dans le pays, là, côté bon pain, là, gay, blanc, pas dans la Kaili, non? Blanc, pas dans la Kaili, là, dans Washington, pas bon emploi et l'État américain qui a entré dans l'ambassade sans autorisation et sans être accompagné, parce que son menace de sécurité nationale qui est liée pour les États-Unis. Blanc mettait des structures pour le protéger l'État. L'État. Je vous dis, il faut nous mettre un point final dans l'anarcho-populis qui a affaibli l'État nous depuis 35 ans. Donc, pour même n'importe qui institution l'État sans autorisation des autorités supérieures de l'État, qui question que les policiers ont entré dans l'ambassade sans qu'ils n'aient pas autorisation des supérieurs hiérarchiques et qu'ils n'aient pas accompagné, sont menaces de sécurité nationale qu'il y a pour nous. Donc, pour même annoncer ça, le Premier ministre lui-même lui fait décision ça, lui normal, c'est une très bonne décision vous-même. Décision correcte, même si le Premier ministre est impliqué dans tout le président, il y a une question pour répondre. Le Premier ministre est pour le marché. Décision sont décisions qui sont correctes. Alors, il y a des gens qui estiment parfois ça qu'on retarde l'activité officielle, comme si il comprend du temps pour être arrivé dans la primature pour la jeune Premier ministre. Là. Bon, là, ça faut construction dans l'État. Parce que dans l'État américain, il y a une structure qui permet d'accélérer les bagages. Donc, dans l'État panouan, il faut jouer un jour d'IA, aucun employé l'État haïtien n'a pas entré dans l'ambassade sans autorisation. Aucun employé l'État américain, l'État haïtien n'a pas entré dans l'ambassade sans autorisation spéciale, ni à parler avec des sections politiques, ambassade, même Jean-Tou, on personnel de l'État qui a voyagé, il faut qu'on ait qui côté pour aller, parce que son menace de sécurité nationale qui est liée pour nous. Alors, qui sont les gens qui ça qui disparaît dans l'État depuis 1986 que nous devons restaurer. Alors, l'on dit aucun responsable de l'État pas doué, pas rentré à faciliter nos ambassades. Qui sont les dit si les gens ont un visa avant même de venir dans le pouvoir, si mon mari veut renouveler le visa ou bien si ils ont une résidence, qui sont les dit même? Faut l'État au courant.
Son employé l'État courrier, vous êtes une menace de sécurité nationale si vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez vendre des informations qui compromettent l'État. Même Jean Tout, aucun directeur général, aucun ministre n'a pas rencontré des ambassadeurs si le ministère des Affaires étrangères au courant, si primature la présidence n'a pas autorisation. Blanc n'a pas rentré dans l'institution de l'État comme ça. Nous, même quand est blanc, nous n'avons pas rentré dans l'institution de l'État comme ça. Alors, mais ça, c'est la culture démocratique. Mais, pas bon, ici, nous, chaque jour, il y a des ambassadeurs qui rendent visite de courtoisie avec des directeurs généraux en d'un pays. Et c'est toujours une satisfaction liée pour Mounio. Il n'y a pas fait sans ministère des Affaires étrangères, pas autorisé. Et ministère des Affaires étrangères, les recevoir requête là, il faut l'informer primature avec la présidence pour connaître s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. À son compréhension que vous avez ou bien c'est ça qui fait? C'est comme ça le doué, ça m'a doulé, par contre, ça, depuis 35 ans. Depuis à la copopulation, prend contrôle l'État. En 90, bagaille écrasé, man. Pas de forme, pas de manière, pas de souveraineté nationale. Et pour ça, n'a pas couru, man. Donc ça veut dire décision à Ariel Henry. N'importe blanc, il doit demander à rencontrer à n'importe qui monde dans l'État. C'est rôle en tant que blanc, en tant qu'ambassadeur, en tant que consul, chargé d'affaires. Mais pour le faire, il faut façon formelle, faut écrire le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a informé la présidence ou bien la primature pour dire que mais tel blanc besoin rencontrer tel monde dans l'État. Il y a bonne autorisation pour rencontrer. L'État a décidé qui monde qui doit avec ou l'a parler avec blanc ambassade là. Alors, bon, moment de ça, mais c'est toujours, il y a des postes en d'un pays, comme si, malgré le président fait arrêter le présidentiel là, il nomme Mounio, mais c'est un blanc pour venir en pile monde, comme si, ouais, Mounio senti pour chef. Je regarde la douane là, par exemple. Et chez chaque jour, il y a écrit sous lui, depuis l'ambassadeur Loueli, comme si l'ambassadeur déplacé là, la Loueli, il y a un bagage qui sorti. Et c'est toujours une fierté. Bon, bagage, mais ça culture a doué. En dans l'État, l'on parle de souveraineté nationale et l'État qui fonctionne. Depuis qu'on fonctionne l'État, qu'elle rencontre un blanc, sans autorisation à faire étranger, la présidence et la primature, ou révoquer automatiquement. Tout le monde a pris en main. Mais pour faire ça, comme si faut président et premier ministre gagner dans figil tout. Qui j'en fait au pays a gagner dans figil toujours même. L'aime dit nena figil pas dans sens parce que moun ou possède toute sanction, a dit faut gagner caractère, faut gagner courage. Les haïtiens qui garder blanc avec oligarque dans jeu, gagner moun comme ça toujours dans pays. OK. En tout cas, et les blancs viennent nous reprendre forme dans la respecte tout, ils connaissent comment ça bagaille doit être fait. 17 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, et jusqu'à présent, nous capable dire son dossier qui a marché à pas de tortue. Et après, juge qui sous dossier, il tendait déjà en pile monde. Mais peut-être ça qui était plus dévoilé, c'est la confrontation qui était faite avec Jean Laguel Civil, Dimitri Hera, Léon Charles et. Jodia, nous est avocat parti civil là, n'a parlé de Martine Moïse avec tout petit Léo, il a récusé juge Jean-Bruce Voltaire. Bon, juge n'a pas dû accepter dossier. Depuis les Bernard Saint-Ville, d'ailleurs Bernard Saint-Ville pas dû mettre juge sous dossier. Depuis au fin non même de font interview avec on t'explique pour qui ça, il y a un conflit d'intérêt. Moun qui mettait juge là dans le système judiciaire son ministre justice unité qui est lié. Gen dignité qui participer dans tout le président. Automatiquement, gen conflit d'intérêt. Alors, vous en essayez de présumer assassin jusqu'à présent. Comme si l'on affirmatif comme ça, li dérange auditer mieux moi-même. Ok. Auditer a mette adapté à sa map dia. Donc, bagay principal là, c'est que gen conflit d'intérêt, juge n'a pas de doué jambes sous dossier. Donc, nous sommes perdus un paquet de temps là parce que juge n'a pas de doué sous dossier. Ben à Saint-Ville comme ça. Et juge la font théorie qui trahit tête li. Gen 5 informations que juge la alba un journaliste qu'elle publie sur Twitter. Juge dit comme ça que li interroge li ba journaliste la information. Li interroge séparément et Léon Charles. Li interroge séparément Dimitri Hera. Et puis li wè que gen différence entre sa nèg yo a dit li pral obligé faire confrontation. Après ça, juge Jean Baron l'autre info, quatrième information, mais qui est-ce qui va l'interviewer dans fin mois de janvier, dans début mois de janvier, mais qui est-ce qui va l'interviewer dans début mois et dans fin mois de décembre. Les juges ont fait ça, là, l'information publique sous enquête là,
code d'instruction criminelle là dit dans 8 articles là-dedans, l'instruction est secrète. Donc les juges là commencent à bailler information sous nèg yo k'ap bailler menti, là pour orienter politiquement enquête là. Ou gen tan ouais, étant donné qu'elle violé aspect juridique là qu'elle connaît, li bailler information ça qui vient public. Donc la font manipulation publique de l'information qui doit être secrète. Donc automatiquement, lorsqu'on monde qui réfléchit, ou vous êtes aux questions, pour qui ça l'a fait ça? Automatiquement, ouais, objectif politique. Hein? Objectif politique, hein, c'est l'ignité qui mettait lieu. Monsieur Pral prend deux trois monde qui le sacrifié, et puis tout gros criminel qui touille le président, l'innocent innocenté dans l'ordonnance définitive qu'il a fait. C'est pour ça. Et position que avocat, première dame n'en prend, et famille Moïse, là, correct, mandé juge l'en déporté, Bernard Saint-Ville pas l'autre option, s'il pas n'en confie l'eau, pour retirer le juge sous dossier. Mais les ça, est-ce que c'est pas tant qu'à passer Jovenel Moïse par une justice? Mais les ça, tout, est-ce que nous pas crainte pour des mondes pas dire bon, là, on a fait capital politique, nous, avec assassinat Jovenel Moïse, nous qui arrivons dans l'élection pour nous dire bon, nous pourrons venger Jovenel Moïse, nous pourrons chercher justice pour Jovenel Moïse? Ça n'a pas dit là, c'est pas des bails théoriques, c'est des faits, c'est réalité qui soit observé en 17 mois. En garde des blocages institutionnels, en 17 mois. Ariel nommé illégalement dans CSPJ 6 membres. Il n'y a pas d'autorité constitutionnelle pour faire ça. Il nommé un juge dans le cours de cassation, juge Jean-Joseph Lebrun. Je ne peux pas comprendre comment un magistrat a fait accepter ça. Alors, bon, pour être nommé à la Cour de cassation, c'est un Sénat constitutionnellement élu et un président constitutionnellement élu seulement qui a mis des gens dans la Cour de cassation. Un premier ministre de transition n'a pas l'autorité constitutionnelle pour nommer quelqu'un à la Cour de cassation. Comment si moi... Jean-Joseph Lebrun fait accepter ça? Je ne sais pas si c'est moi-même qui saute. Et puis c'est pour ça, Jean, guerre, il était corrigé car il a été bien corrigé car il. Je ne sais pas si c'est moi-même qui saute sous Prince et Stanley Lucas. Je pas quoi Ariel Henry qui a nommé. Alors, un peu de monde fait ça, même des hommes de loi, peut-être en fonction des intérêts par eux, ils ont toujours voulu décanter CSPJ comme un pouvoir judiciaire avec la Cour de cassation. Alors, bon, faites-y rappel là pour vous-même. La Cour de cassation, c'est la plus haute instance judiciaire dans le pays. Hein? Mais CSPJ, c'est l'organe disciplinaire, l'organe administratif. Non, c'est... et disciplinaire du système judiciaire. Ça veut dire il y a même connaît non ou dit li nommé six juges dans CSPJ, m'pa quoi c'est ça de nommé six juges. M'pa dit ça. M'dit mon nommé six membres illégalement, six membres, m'pa dit juge. OK. M'sé metté illégalement six membres dans CSPJ, m'pa faire erreur technique ça mon cher. OK. M'sé nommé illégalement juge dans cour de cassation, moi mandé comment on est qui était juge dans cour d'appel. Pas connaît article 175 constitution. Mais son nègre la société présentée comme nègre qui intègre, qui parle de la mélodie. Si chaque bagaille m'a dit beaucoup, même des rapports, ou abdion l'autre bagaille, nous ne pouvons pas bien t'en dire. Ça n'est pas une bagaille. Parfois, ou toujours les battements, même pas qui de battements, les m'a pas là. Non, mais non, batavo, non qui battements, mon. Debout d'un batavo. Perdis, mon cher. Nous sommes champion national de karaté deux fois. Moi, j'ai voté médaille d'or aux Jeux Olympiques. Là, on fait blague, on commence à rentrer dans l'âge. Là, on commence à rentrer dans l'âge. On va venir dans le pays. Il y a un moment, il y a un autre capitaine. Alors, avance, frère. Ok, je comprends ce que je donc, ça veut dire que. Monsieur mette illégalement 6 membres dans CSPJ, li nomme illégalement un juge dans le cours de cassation, on est qui pas doit accepter ça. Non, juge, monsieur fait 52 nominations illégales, juge d'instruction que vous mettez à l'unité, donc au niveau enquête soit assassinat président Jovenel Moïse, là, au niveau institutionnel, c'est le blocage total. A dit que la justice pays d'Haïti, dans la bourgeoisie, après de m'en parler avec vous là. C'est une opportunité historique, oui, pour la justice imposer en tant que pouvoir. Parce que ça qu'un jeu pour nous là, tant que guerrier en été dit dans l'émission, la justice élève une nation. Jodia, c'est des soldats étrangers qui passent Saint-Domingue, qui servent à un accord de sécurité que nous signons avec les États-Unis pour infiltrer la police, qui viennent tuer le président Lacaille. Son acte de guerre contre la République d'Haïti, son acte qui violait la souveraineté nationale, il violait la charte démocratique régionale. La justice était une opportunité historique pour que Rob qui sous-juge là, vienne en Rob en or, en Rob senti bon.
Mais pendant que je parle avec vous, la justice dans la boue pour l'accepter, ça a fait là. Ça va faire honneur à la République d'Haïti. Je vous le dis, si nous ne pouvons pas joindre assassin qui touille président Jovenel Moïse, quel que soit le monde que le peuple a choisi dans l'élection, il ne peut pas diriger l'État. Ça, c'est pour au niveau interne, au niveau externe. Côté rapport FBI là. Au niveau externe, côté rapport FBI là. Je vous le dis, moi, Miami, ils font diversion. Bon, via article qui écrit qui chita sous menti. Lorsqu'on est qui fait dossier, ou qu'on est que, n'est-ce pas, dit que, dans mon ticket, on va sous Miami, là, au cas président, à 45 millions de dollars américains. Alors, 45 à 53 millions. 45 à 53 millions de dollars américains. On dit, attendez bien, là, n'est-ce pas, fait menti, il faut que vous preniez plus réflexion. Bah, il menti ça, on va dire qui est-ce qui fabrique, qui côté le fabrique. Auditeur, 45 à 53 millions de dollars américains. Ou bien son conteneur 40 pieds, vous mettez le. Vous contrôlez comme ça déjà? Bon, répétez le pour encore. Ou bien son conteneur 40 pieds pour mettre 45 millions de dollars américains. Ça veut dire que Jovenel là, pas qu'il prend 45 millions de dollars américains. Les nègres qui ont fait menti, font les gens aller plus loin, les haïtiens qui ont l'école. Pour les qui côté menti, ça a sorti. Menti ça a sorti après le 9 juillet. Qui s'est passé le 9 juillet? Commissaire gouvernement fait mandat pour trois oligarques pour implication dans l'assassinat président. Réginal Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop. L'énergie ouais que la justice pour le mari est tout bon. Sous radio Boulos, là, yo voyons militant des droits humains al dit et non, ce n'est pas 40 000 dollars ou tes jeunes cas Jovenel, c'est 1 million. Et puis, quand le journaliste après sous vision 2000 qui vient de 45 millions, c'est Boulos qui a inventé Matissa avec Dimitri Vop, après qu'il a envoyé mandat pour yo. Même Nexayo a fait briefing pour journaliste étranger à répéter Matissa. Ça fait partie, auditeur de sa relais, dans l'opération clandestine, il y a 5 composants. Première composante de l'opération clandestine qui touille le président, c'est sa relais et personnel avec coupe pour faire opération. Deuxième composante là c'est infiltration. Troisième composante là c'est exfiltration. Quatrième composante là c'est ça les propagande post-opérationnelle. Ça veut dire assassiner caractère président dans la radio pendant des mois pour les retouiller le peuple là bat bravo. Propagande post-opérationnelle là échoué parce que c'est peuple qui marie soldat colombien le 7 juillet. Et c'est peuple qui t'a demandé côté Boulos dans vidéo yo, le 7 juillet avec Dimitri Vop. Cinquième composante là c'est propagande post-opérationnelle. C'est a fait dans journal qui ou baye menti là sous président. Et c'est menti qui était sorti dans vision 2000. A gente segue em busca de novos caminhos. Caminhos livres. Puros. Caminhos. Você vai lá que é a privité. Propagande opérationnelle là dit que Jovenel tellement croqué dans gorge parce que dossier a été enterré deux mois après yo pas enterré parce que non seulement yo pas doué kembe soldat colombien yo te doué faire Wendell Kok entrer dans palais national et puis Ariel Henry le premier ministre li échoué parce que peuple a maré soldat colombien yo li échoué parce que DCPJ font un rapport qui gagne 900 pages et pas 121 j'en dis là et 900 pages que li. Et à partir de rapport de CPJ, il y a un paquet de l'autre information qui vient permettre ouais qui blanc qui participe dans tout le président, lui permettre ouais qui oligarque Pétionville et qui implique dans tout le président, Réginal Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, c'est même Nexayo qui pendant pays loc, t'a mettre gang à attaquer la police qui boule 15 commissariats, c'est même Nexayo oligarque Sayo qui mettait gang attaquer ministère de la justice, ministère des finances, ONA, FAES, Primatu. Je vous le dis, nèg yo pense que là on prend 2-3 ti nèg, yo mette dans sanction seulement que a bouché genou sur assassinat président. C'est pour ça. Je vous le dis, résolution 2645 et résolution 2653 vient passer à cause de assassinat président Jovenel Moïse. Question qu'on doit poser tête tout pour qui ça 15 oligarques qui impliqué dans tout le président qui était dans gang yo et qui jusqu'à présent c'est mettre gang yo pour qui ça non yo pour qu'on jamais capable dans sanction cap bay yo et pour ça nous même n'a joué tout seul ouverture là tout seul ouverture t'ai un problème avec son Tonax qui c'est blanc il t'ai un problème avec Rigo qui c'est oligarque là à l'époque tout seul ouverture t'ai contre qui Jean pour servir avec commission civile et l'assemblée et de Saint-Marc pour lui corriger Kainex ça. Je vous le dis,
américain, c'est allié nous qui est lié. Mais il y a trois qualités de blanc aux États-Unis pour nous connaître. Il y a un là-dedans, blanc qui voulait jouer avec nous, coopérer avec nous, qui voulait jouer gagnant-gagnant avec nous. Blanc, ça, c'est le bon blanc pour nous garder qui gens pour nous fonctionner avec lui. Mais dès l'autre qualité blanc aux États-Unis, il faut faire attention avec eux. Blanc qui fait partie des élites globalistes corrompues, qui voulait servir à sanction yo, pour venir faire pression et obtenir docilité politicien haïtien pour venir voler iridium, gaz naturel, l'or cuivre que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Yo même blanc, élite globaliste corrompue, yo, y a servi avec un série d'oligarques. Deuxième qualité blanc qui sont un problème pour nous, c'est blanc raciste. Je ne parle pas de nous dans le pays d'Haïti parce qu'à l'origine, c'est nous craser le système esclavagiste. Le plus gros allié qui a gagné, c'est Louis Abinader dans Saint-Domingue. Pour regarder qui j'ai mis les pieds sous nous. Et nous avons remarqué que l'organe a communiqué que l'ambassade américaine sorti dans Saint-Domingue pour dire que les gens ont fait une campagne raciste, minorité raciste. Que Abinader a travaillé avec lui pour faire campagne contre Haïtien, il a marié Américain noir. Même Dominique noir, il vient laguer sous frontière. Son campagne contre les noir, contre les noir qu'a fait. Même j'ai des campagne que Nazi a fait contre Juif en Europe. C'est sa minorité à faire. Non, non, pour finir sans militant. Trois qualités blancs ça y est. Dans sanction, on va regarder sanction par rapport à assassinat président Jovenel Moïse. C'est pour ça nous-mêmes nous dit, nous avons fait sanction. Faut qu'on bat juridique dans tribunal qui prouve ça y est. Faut qu'on communique par autorité haïtienne. Éléments qui montrent que ça a dit sous mon yo. Deuxièmement, quel que soit bien ou cop qui est saisi, il n'y a pas le faire ça a fait nous. Les oufines prennent cop du Valier, il y a le fonds ONG Suisse Cadol. Quel que soit cop ou bien qui est saisi, c'est notre réseau public, c'est pour bien peuple haïtien qui est lié pour y remettre. Nous finissons, Lélika, nous finissons de ça rapidement. Mais même journal ça, où tu as parlé sous lui, qui te parlait, il dit l'argent, c'est des trafiquants de drogue qui ont été payés président pour te faciliter la drogue en train de payer. Mais très rapidement, nous avons tous des agents ou bien enquêtés aux États-Unis qui dit dans l'assassinat de Jovenel Moïse jusqu'à présent, il faut qu'on retrace trace de drogue dans l'assassinat. C'est ça, Mabdou. Propagande post-opérationnelle, là, c'est toi, Nek Kidel. Reginald Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop. C'est eux-mêmes qui ont fait propagande opérationnelle ça pour faire diversion dans le dossier assassinat président Jovenel. Là. C'est eux-mêmes tout qui ont conseillé des manipulations politiques par rapport à sanctions. Donc, je vous dis à nous-mêmes, en tant que pays, et les États-Unis, c'est allié nous. C'est nous-mêmes qui devons connaître à blanc qui voulait créer une situation gagnant-gagnant qui j'en pour nous voir avec eux. Parce que nous, on a conseillé des ancien ambassadeur qui a écrit dans le journal américain pour venir faire coup d'État, intervention militaire, pour faire coup d'État en faveur Montana. Haïtien pas passé de ça. Tout n'est comme ça. Tout n'est comme ça. Donc moi-même, pour me finir, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, lui clair que j'en la justice pour avec tout blocage institutionnel, là, très difficile pour faire dossier avancer. Maintenant, il y a un menti. Et c'est pour ça, dans la simulation que je fais, parce que en tant que spécialiste en développement politique, il y a des exercices pour faire pour ça qui peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois. Je ne parle pas de leader politique qui a souhait. Ce n'est pas un gang. Un leader politique qui a une conscience patriotique. Ça, moi, pour payer ça, en année 2023, qui a rentré, côté quoi le bon combat juridique, un combat politique, un combat économique. Combat politique, là, c'est pour le rétablissement de la sécurité, l'organisation du référendum et des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le combat juridique, c'est comment pour nettoyer le système judiciaire, mettre bon juge pour faire enquête sur assassinat président. Le combat économique, comment pour craser le monopole économique qui n'en met oligarchie dans le secteur bancaire, dans le secteur commercial, tout côté que vous avez. Et en même temps, contrôle économique et oligarchie sous l'État. Parce que dans 17 mois, là, vous avez crasé 3 budgets. Budget rectificatif 197 milliards et budget 210 milliards qui vaut 407 milliards de gouttes par bon projet qui fait dans le pays. Donc, vous même leader politique, qui ça m'a droit à souhait? Avenir pays a et dans mon lié. Mais bon bagaille que vous faites. Article 149 Constitution dit l'offre tout un président ou pas qu'à mettre un nouveau président tout autant que peuple a pour voter. En attendant que le peuple a voté, son premier ministre a 18 ministres qui doivent diriger le pouvoir exécutif. Là.
pour nous retourner pays à l'ordre constitutionnel, rétablir la sécurité, monsieur, mesdames, font consensus autour de nouveau premier ministre et 18 ministres qui ont crédibilité dans la société, qui a rétabli la sécurité avec support à la police et l'armée que blanc ou bail, nous avons besoin d'intervention militaire. Des blancs canadiens qui viennent débarquer là dans le pays. Avant blanc débarquer, monsieur, font réunion entre nous. Faire consensus sur un nouveau premier ministre avec 18 ministres. Qui ça ne va pas faire là? Nous devons faire réunion toute la journée avec nous. Donc, nous, je dis, minimum ça, nous devons faire pour le pays. Parce que j'ai ici à souffrir dans le quartier populaire, en bas gang. Mes amis, je n'ai pas un mot pour me décrire ça, peuple, à vivre dans le quartier populaire. Merci. Gang, il fait cadet Jacques Soumoun. Gang, il a tué les gens qui ont voulu. Tout ça, moun yo gen nan quartier populaire, gang nan fin pran yo. Est-ce que c'est nos pays comme ça? Nous voulons vivre, mes amis. Moun la caille, yo prisonnier la caille, yo pa ka saute dans la rue pour gang non. Pendant ça, privé dans le pays, nous avons un gouvernement. Saint-Domingue, coton minorité. Parce que nous avons un problème à peuple dominicain. Peuple dominicain veut bien vivre avec nous. Son minorité ultranationaliste, raciste qui pa vle wè moun noir, kap fè nou bagay. Si nous avons un gouvernement sérieux, ou pas Ariel, li pa ka mene dossier devant. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, il n'a pas mené un dossier devant la CARICOM. Donc, je vous dis, dans le 17e mois, assassinat, il y a coqué dans Gorgio. Il y a coqué dans Gorgio, il y a Gakio. Même les nègres qui mettent des sanctions pour nous pas avec les dossiers assassinat, nous éclairons. Nous pour sanction. Et nous disons sanction, il y a 16 catégories là-dedans. Oligarque, il y a 15 à 20. Il n'y a aucun oligarque sérieux là. Merci en pile, Saint-Lélica. Merci en pile. C'est un plaisir pour nous déballer. Merci en pile.